C'est signe de s'appeler Julien comme SCH et Jules. Peut-être, hein, j'en sais rien, j'en sais rien. En tout cas, on dirait que ça porte ses fruits de s'appeler Julien, donc pourquoi pas. Oh! La première chose que tu t'es dite quand tu as gagné l'émission Nouvelle École, merci mon Dieu, merci en gros. J'étais fort reconnaissant pour tout ce qui m'arrive et puis je savais que c'était le début de quelque chose de grand. Tu nous rappes un extrait de Chop, s'il te plaît? Dans le bise. Sans cafot, bien que ça me serve. Faut que je la chope. Tranquille, j'observe, faut pas que ça me stresse, faut que je la chope. Plusieurs raisons d'écouter ton premier album à l'abri. C'est un produit frais. Comme on dit, c'est actuel et c'est clairement moi, c'est le résultat d'un long travail et d'un parcours unique. Parce qu'un parcours comme le mien, ça n'a jamais existé. Donc, je pense que c'est des bonnes raisons de découvrir l'album et d'attiser la curiosité des gens, quoi. Comment as-tu été repéré pour participer à l'émission Nouvelle École? C'est un casteur qui m'a DM sur Instagram. J'y croyais pas et au final, j'ai répondu et puis il s'est avéré que c'était la vérité. Il m'a donné toutes les étapes à suivre et puis j'ai fait le premier casting à Bruxelles et la suite, on la connaît, hein, tout est dans l'émission. Et le casting, il s'est passé comment? On fait la première audition à Bruxelles sans les caméras, là où on voit si t'es compétent, si tu peux rentrer dans l'émission et puis ensuite, il te rappelle quelques jours après pour te donner la date officielle du tournage. Pour ma part, à Bruxelles, c'est là que j'ai rencontré Chai pour la première fois. J'ai dû rapper un texte sur une prod qu'on m'avait donné quelques jours avant. Tout est dans les mains du jury. À ce moment-là, c'est que Chai qui décide si je viens avec elle ou pas à Paris. Et puis à ce moment-là, elle me récupère et à ce moment-là, on m'envoie une nouvelle prod pour travailler et pour me défendre sur l'étape suivante à Paris, tout simplement. C'était comment de faire des feats avec Niska, SCH et Chai? C'était incroyable, hein, c'est des superstars. C'était un kiff, c'était un honneur de pouvoir le faire. Je me suis fait plaisir. On a vu SCH cette semaine et il a une question pour toi. Alors, brother, content de ce démarrage? C'est incroyable. Je suis fier de toi et de voir ce que tu es en train de devenir, brother. Laisse. Est-ce que je suis content du démarrage? Ben, je ne peux que l'être. Tout est nouveau pour moi. On est en train de kiffer, nous. Je kiffe ce démarrage. Merci pour la question, Laisse. T'as gagné combien d'abonnés depuis ta victoire à Nouvelle École? Avant l'émission, j'étais à 7000. Là, je suis à 440 000. Donc, ouais, exactement, pour être précis, 433 000 abonnés. À part toi, qui aurait mérité de gagner Nouvelle École? Sois honnête. Ah, vous êtes dire. Vous êtes dire. Réellement, si je suis le cours de l'émission, en finale, on n'était plus que trois. Il y avait moi, Leïs et Elion. Et Elion, eh ben, il était trop fort, mais il était dans un autre registre. Donc, je vais l'éliminer et je vais garder Leïs. Du coup, ben, si tu m'élimines, eh ben, tu mets Leïs gagnante. Hein. Elle mérite. Réussir ou mourir de 50 Cent ou être Miles de Eminem? Et réussir ou mourir, hein. Il y a plus d'émotion dans ce film-là, je trouve. Peux-tu nous parler de ta participation à la 7e édition du Hip Hop Symphonique, bientôt diffusée sur Canal+? C'est incroyable. L'orchestre, l'organisation, le concept, le lieu. C'était de la folie. Franchement, je me suis pris au sérieux de fou. Ça veut dire que j'ai joué le jeu à mort. J'ai mis mon petit costume. C'était magnifique. J'ai rejoué mes morceaux sur un thème orchestre avec l'orchestre philharmonique, etc. C'était trop beau, en fait. Ça m'a fait kiffer. C'était une expérience incroyable. Et ça m'a même donné des idées pour des shows à venir, pourquoi pas. La chose improbable à savoir sur Fresh, je suis un fan de dessins animés. Pour m'endormir le soir, je mets toujours des vieux dessins animés. Je peux te mettre un Bob l'éponge. Mais j'aime trop. Fresh ou Fresh la peu froid? Fresh, c'est bien, non? La peu froid, tu connais, c'était dehors, là, on aimait bien dire la peu froid chez moi, là, à Liège et tout. Mais Fraîche, moi, je trouve c'est clean, hein. Ça passe partout, Fraîche. Moi, j'aime bien Fraîche. Comme si tu étais de retour dans Nouvelle École, tu nous fais un petit freestyle dans la boîte à questions, s'il te plaît. Une soirée de plus en bas, comme d'hab, les flics déballent. Faut que je casse un tour en ville avant que les flics débarquent. Les contrôles se font rares depuis. Allez dehors, allez dehors. Faut que je la chope, hein, on tue, si c'est nécessaire, faut que je la chope.